bonjour à tous, mettre en avant la diversité des métiers de l'investissement immobilier. C'était l'un des objectifs d'une des conférences de ce forum des métiers de l'immobilier et de la ville. Et pour refaire modestement cette conférence, nous avons la chance d'avoir sur ce plateau deux intervenants. Olivier Morel, bonjour, vous êtes directeur des ressources humaines d'Alliance Real Estate. Et à vos côtés, Delphine Charles-Perronne, bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué général de la FSIF, la Fédération des sociétés immobilières et foncières. C'est ça. Je ne me suis pas trompé. Donc, nous allons parler des atouts du secteur de l'investissement immobilier pour séduire les jeunes talents. Et je crois, Delphine, que vous êtes venue avec des chiffres, des caractéristiques de cette fille. Peut-être donner envie aux jeunes talents de la rejoindre. Alors, expliquez-nous tout cela. Exactement. Donc, la FSIF, ça regroupe des sociétés immobilières cotées et non cotées. Et nous faisons tous les ans une enquête de données sociales. Et donc, la dernière enquête montre que, au sein de tous nos adhérents, les cadres représentent 70% des effectifs, dont 95% de CDI. Mmh. Les femmes représentent 56%. C'est notable. Dans l'objectif de la loi sur la parité, on voit que ces sociétés sont déjà au niveau. Les temps partiels 6%, il y a énormément d'épargne salariale et la formation représente 3% de la masse salariale. Donc je pense qu'on peut dire que ce sont des employeurs modèles. Parfait. Je vais passer la parole à Olivier. C'est vrai, quand on parle d'investissement immobilier et de recrutement, on pense aussi à l'argent. On peut considérer que la rémunération est un atout pour recruter des futurs décideurs. C'est le cas, c'est l'argument numéro un, ou il y a autre chose à faire valoir pour... Alors, je crois déjà que les gens qui vont dans l'immobilier, ils y vont par passion. Mm-hmm. On n'y va pas forcément par intérêt. Et effectivement, c'est plutôt un métier qui est aujourd'hui rémunérateur et qui attire un certain nombre de personnes. Mais ce n'est pas le fondamental. Je crois que le fondamental aujourd'hui, et notamment avec les nouvelles générations, c'est le sens. Mm-hmm. C'est qu'est-ce que derrière mon métier j'apporte, comment je me réalise. La rémunération, c'est important, mais c'est pas le... Voilà, c'est le nerf de la guerre, oui, parce qu'on va se comparer les uns les autres, mais voilà, qu'est-ce que je peux avoir au-delà? Et alors justement, en termes de quête de sens, on en parle beaucoup ici sur ce forum, qu'est-ce que l'investissement immobilier peut apporter à ces jeunes talents? Du concret, de la RSE, sur quoi Un peu tout ça, d'abord, sur quoi on travaille? On travaille sur un actif immobilier, et l'actif est porteur et véhicule de tout un tas de symboles. C'est là où je me loge, c'est là où je vais travailler, c'est l'image que je vais donner. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important et qui plus est aujourd'hui, on est sur une matière qui bouge, très impactée par les nouvelles technologies, très impactée par le développement durable. Donc il y a tout un travail à faire en matière de digitalisation, en matière de RSE, en matière de construction de la beauté, d'économie d'énergie. Et tout ça, ça a forcément de quoi nourrir nos jeunes talents. Et notamment chez Alliance Real Estate. Et bien entendu chez Alliance Real Estate. Parfait. Peut-être une réaction aussi sur ce sujet de Delphine. Charles Perron, cette quête de sens, vos adhérents vous la font remonter, cette envie de bousculer peut-être un peu les habitudes? Oui, tout à fait, et on voit les nouveaux usages avec la porosité effectivement entre le travail, la vie personnelle, etc. Et le plus en plus d'envie d'avoir des lieux de travail avec service, et on voit tous nos adhérents développer des espaces de coworking qui fournissent énormément de services aux locataires. Et bien évidemment, avant de faire ça pour leurs clients, ils l'ont fait d'abord pour eux et pour leurs salariés. Et on voit dans leur siège social, vous avez des espaces incroyables au profit des salariés, de cafés, de terrasses, de lieux de rencontre, de salons, etc. Je crois qu'ils ont tous des cadres de travail qui sont particulièrement attirants. Donc le monde feutré de l'investissement immobilier évolue. Exactement. Parfait. Allez, juste pour terminer, un mot sur votre activité sur ce forum. On va peut-être laisser la parole à Delphine. Pour vous, un rendez-vous comme celui-ci, c'est l'occasion de rencontrer vos adhérents, de prendre un peu la température du monde de l'immobilier de la ville. Exactement. Beaucoup d'entre eux ont un stand. Et donc, c'est important pour nous de connaître toutes leurs politiques, y compris leurs politiques sociales. Parfait. Même question pour Olivier. Alors vous avez la casquette du recruteur. C'est alors la casquette du recruteur, c'est alors il y a une quête de CV bien entendu, et en même temps il y a aussi un rôle pédagogique. C'est qu'est-ce qu'un assureur tel qu'Alliance aujourd'hui au travers d'Alliance Real Estate fait sur ce salon? Qu'est-ce que l'on attend? Qu'est-ce que l'on propose? Expliquer un petit peu c'est quoi notre rôle d'investisseur aujourd'hui, et puis en même temps de capter un peu l'appétence de ces gens qui aujourd'hui nous donnent leur CV. Quel est leur projet professionnel? Quel sens ils veulent donner justement à leur carrière pour essayer d'y répondre? Eh bien, merci à tous les deux pour votre venue sur ce plateau. Bonne journée au Forum des métiers de l'immobilier et de la ville. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.